Comment réagiriez-vous si vous vous retrouviez nez à nez avec une célébrité mondialement connue? C'est ce que nous allons tester en se faisant passer pour Céline Dion dans sa ville d'adoption, Las Vegas. Pendant toute une journée, nous allons aller dans plusieurs endroits et tester la réaction que les gens pourraient avoir. Et surtout, est-ce que n'importe qui, en se faisant passer pour une célébrité, peut avoir les mêmes privilèges? Bienvenue dans ma suite à Vegas. On est à quelques minutes de pouvoir littéralement commencer ma préparation. Donc suivez-moi. Là j'ai déjà les habits qui sont directement prêts. Les gars, c'est parti pour la préparation parce qu'il va falloir se transformer de cette gueule-là à cette gueule-là. Il va y avoir du boulot. Et surtout, je ne pourrai littéralement pas perdre genre 60 kilos en une heure. Va falloir y aller à fond sur maquillage. C'est parti. Mais ça fait des années que je n'ai pas fait de vidéo transformation. Ma dernière vidéo transformation, rappelez-vous, c'était quand je me suis fait passer pour la défunte reine et pour un membre de la famille royale d'Angleterre, les amis. Ça va être chaud, les gars, ça va être chaud. Je me suis beaucoup documentée sur cette vidéo. Céline, elle est très très énergique et surtout, elle a une personnalité haute en couleur. Avoir bien le personnage, eh ben, ça nécessite beaucoup d'énergie, un petit accent québécois que j'ai fort heureusement. Si jamais ça vous tente que je fasse une tournée de spectacle d'imitation, vous me le dites directement en commentaire, ce serait ouf. Tu as une sorte de one woman show ou autre, bref, moi je trouve ça tip top. Ça peut être very cool, yeah. Oh yeah, merci, bye. Céline est super bronzée aussi. Il va falloir se foncer pas mal le visage pour être sensiblement proche de sa carnation. Alors je sais pas Céline si tu fais des UV ou pas, mais en tout cas t'as un joli teint quoi. Hein. C'est ça d'habiter. Elle a quitté le Québec pour venir habiter à Vegas. Céline a des rides, un petit peu plus que moi. Elle a les tempes très creusées. Et elle a peut-être légèrement les yeux un petit, tout petit peu plus tirés que moi. Et donc je vais utiliser ça qui permet de pouvoir étirer la peau. D'ailleurs, apparemment c'est un super anti-rides et anti-âge naturel et sans chirurgie. Donc ça c'est tip top. C'est un petit patch qu'on vient mettre directement sur le côté et qu'on vient tirer en fait avec... avec un élastique, voilà. Voilà, ça c'est génial. Regarde, 100, avec 100, avec... Et voilà, génial. Au niveau des tempes, par contre, c'est un peu tiré, quoi. Céline, elle est un petit peu moins tirée. Je vais le tenter sans, je vais le risquer, je vais le risquer. Je crois en mon pouvoir de ressemblance avec la queen de la queen. Céline, s'il te plaît, sois avec moi aujourd'hui. Faut croire au processus de création, ne jamais perdre espoir. Les amis, aidez-moi. Je m'appelle Gertrude, 82 ans et je suis à Vegas pour la première fois. Je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai aucune idée, j'arrive même pas à voir si je ressens. On va mettre les cheveux, on va surtout tester la réaction de mon équipe, à voir comment ils voient ça. Wouh, showtime. Wow, Vegas. Ok, c'est parti, on va voir de suite la réaction de mon équipe. Notez la transformation dans les commentaires d'ailleurs. Céline. Ça fait un peu peur au niveau des yeux, mais c'est fou, genre. C'est trop bizarre. Non mais on dirait un peu ou pas? Oui, oui, on dirait, ouais. Mais j'ai hâte de voir avec les cheveux. Oui, bah c'est ça, des cheveux, c'est pas la même chose, mais... Non, c'est bien fait, hein. Ah ouais? Ah oui, oui, tu t'es vieilli la face, ouais, là. Ouais, tu t'es vieilli la face. Ok, c'est bon, trop bien. Bonsoir Paris, je suis Céline, moi. Regardez quand même l'outfit, j'ai fait un sacré effort. Je vous mets la photo de référence juste maintenant, les gars. Il y a une petite surprise qui nous attend en bas. Il va falloir que je sorte mon accent québécois parce que je ne l'ai pas du tout. Il y a une petite surprise qui nous attend en bas. Et nous sommes actuellement à Vegas. C'est parti pour sortir dans les rues de Vegas et pour tester la réaction que les gens ont lorsqu'ils voient Céline Fion. Pas disons parce que au niveau de la tête, on n'est pas là-dessus. C'est parti! Yeah! I'm feeling good. Yeah. Oh yeah! C'est fou comme le power Céline monte en moi, tu vois. Genre,
Enfin, je sais pas si c'est Céline qui monte en moi, mais il y a quelque chose qui monte en moi, ça c'est certain. C'est parti. Hello, how are you? Good, nice to meet you. Les amis, il y a Bouddha, mon garde du corps du jour, qui va être là et qui va, qui est vraiment garde du corps à Las Vegas directement et qui va pouvoir nous assurer une sécurité optimale pour Céline Dion aujourd'hui dans les rues de Las Vegas. C'est parti pour notre petite tournée directement dans la rue. Oh yeah! On sort à Paris. C'est parti! Vegas, j'arrive. Oh yeah, here we are, Vegas, oh yeah. Ah c'est génial ça, attends, je vais me mettre là. Oh, oh baby, oh my god, oh yeah. Baby, baby, hi, hey, yeah. Hi, yeah, yeah. Hi, good, good. Moi, ce que je trouve génial d'avoir un garde du corps, c'est vraiment... il fait tout pour toi. Genre, littéralement, je me sens hyper en sécurité, les gars. Ah, oh, j'adore être à Vegas. Je me sens vraiment une autre personne. Genre, littéralement. Je vais essayer sans les lunettes, les amis, pour voir si c'est un petit peu plus crédible sans les lunettes ou avec, mais... Le truc, c'est que je sais pas si les gens pensent que genre je suis juste quelqu'un avec un garde du corps ou s'ils se disent « Ah putain, elle, c'est Céline Dion !» quoi, tu vois. Voilà, c'est ça que je sais pas trop. Ouais. On vient d'arriver dans le magasin de prédilection Urban Outfitters. Yeah. Attention, qu'est-ce qu'on vient chercher au Urban Outfitters? On vient chercher l'appareil indispensable pour une diva au Caesar Palace. Suivez-moi. Look so cute. Thank you. Ça, les gens sont hyper habitués à voir Céline à Vegas. Toi, ils savent pas qui je suis, quoi. Voilà, les gars, c'est ça qu'ils nous font pour aller nous produire devant le Caesar Palace. Et ouais, je vous l'ai dit, c'est Céline Fion aujourd'hui. C'est pas Céline Dion, surtout pas. Les amis, surtout, abonnez-vous pour m'envoyer plein de soutiens, plein d'amour. Comment Céline dirait pour s'abonner? Abonnez-vous encore un soir. Joyeux. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Et voilà, c'est parti. On va à la suite, les amis. Ascenseur. Oh yeah, c'est parti. Thank you. On va prendre notre chauffeur privé, les amis, qui nous attend juste ici. Les amis, là, on se trouve direct devant l'endroit où j'avais ma résidence. Au César Palace, j'ai une petite surprise. Céline nous manque à Vegas. Quoi de mieux que de lui rendre hommage, là où elle avait la résidence. Ce qui est quand même incroyable, c'est la réaction que les gens ont. Alors j'adore toujours faire ce genre de vidéos parce que les gens sont pas sûrs et il y en a quelques-uns qui disent « Ah, c'est Céline !» mais ils osent pas venir voir. Et on va les inviter à peut-être se prendre en photo avec moi ou autre. Mais j'ai l'impression juste que les gens à Vegas sont hyper habitués de voir des célébrités par contre. Bonsoir, je suis à mon endroit favori, Caesar Palace, les amis, c'est parti. Je suis en train de perdre toutes mes chaussures, mais il faut pas perdre la face, c'est ça qui est important. Il y a des qui étaient, mais quoi derrière, qui dit tabarnak, elle a un garde du corps, elle. C'est Céline, les gars, c'est Céline, c'est chez vous, ça. Les toilettes du César Palace, c'est quand même genre le paradis, quoi. On dirait la taille de mon appartement de... Ah, enfin non, beaucoup plus grand que la taille de mon appartement. Bref, je vais faire un petit pipi, on se retrouve juste après. Salut. Oh yeah. On est à Vegas ou pas, les amis? Wouhou. Ces changements dans les toilettes pour aller faire quoi? Pour aller se produire directement au César Palace, là où il y avait ma residency. Il n'y a personne qui est au courant, vous allez voir, ça va être génial. Le truc, c'est que je me suis pas du tout entraînée à chanter, quoi. Je sais surtout pas si aux États-Unis on peut se faire dégager par la police si jamais on est là. Mais sinon, dans le pire des cas, c'est juste que je vis mon délire à fond. C'est rien.
Wow. Vegas, baby. Oh yeah, c'est parti. Ok les amis, c'est parti, je vais sortir ma meilleure voix et chanter. Chez moi les feuilles se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des temps sont violentes et les neiges sont éternelles. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des châteaux, des mirages et des déserts en vous tant. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. You want a picture? Yeah, sure. How are you? Mexico. Yeah. Oh, Mexico. Oh my God. Mm-hmm. So lindo. Yeah. Con un selfie? En el resto del mejor. Gracias. Celine Dion, the Titanic. Hi. Yeah, sure. Okay, now a rock one. Okay, yeah. Go. Let's go. Oh my God, I couldn't believe it. I followed it. I was like, I don't know who it is. Thank you. Okay. Thank Enjoy you. Your time in Vegas. Thank you. You're welcome. How are you? Good. Good. What's your name? My name is Ishii. Ishii. Wow. You. Sihi. Irvi. Wow. You are Irvi. Irvi. Yeah. Yeah. Okay. You want a picture? Yes. Okay. Attention, là, il va falloir que je sorte la voix, les gars. Il y a un public en feu ce soir. Il va falloir masquer la voix, là. Là, ça va pas. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Love can touch us one time, then last for a lifetime. There never ends, Lord, love was when I loved you. One true time I hold you in my life. Will always, oh my God, go on. Attends, je le stress. We're far, we're fait les amis, croyez en vos rêves les plus fous jusqu'à la fin. C'est parti. Attention. C'était un plaisir. Hey. Parfait, ils sont tous barrés. Les amis, nous sommes devant le Hell's Kitchen qui est un des restaurants les plus classés de Las Vegas et qui est seulement sur guest list. Pour petite information, le Hell's Kitchen, c'est le restaurant de Gordon Ramsay. Moi, je ne mange pas de viande et tout, mais vu que c'est un restaurant qui est seulement sur guest list, on va essayer de voir si en tant que célébrité avec un garde du corps, est-ce qu'ils vont nous laisser rentrer ou pas. Les amis, c'est l'expérience du siècle, suivez-moi. Is it possible to have a drink? No, we don't have. Sorry? Reservations. Okay, but I'm with my bodyguard. My limousine is just waiting out there and we just need a drink. Like a water? Maybe water or a cocktail or, yeah, just some water maybe. That would be nice. So it's possible just to have a drink before the plane? Yeah, okay. Thank you very much.
Bon bah c'est fait. J'adore. On l'a fait les gars. Elle m'a dit au début c'est juste une réservation. Faut insister un peu puis ça marche. Thank you very much. Thank you very much. Do you accept tips? Oh, thank you so much. Do you accept tips? Okay, thank you very much. Thank you. Je pense qu'il m'a reconnu. Bon bah les amis, je pense que le gars m'a reconnu, il m'a regardé puis il m'a dit rentre bien à la maison. Merci Bobby, je vais l'appeler Bobby. C'est incroyable comme expérience, c'est incroyable. Les amis, fin de la petite vidéo. J'adore, les réactions étaient incroyables. Il y a tout le monde vraiment qui se retournait et c'est fou. À chaque fois quand je fais ces expériences là, j'adore voir la réaction des gens. Le concert c'était une grande première, surtout dans la rue comme ça. On a quand même certains privilèges quand on a des gardes du corps et quand on est un peu habillé glam dans des endroits de luxe. On est quand même rentré chez Gordon Ramsay directement sans aucune réservation. En attendant les amis, restez tels que vous êtes. Pas besoin d'avoir de strass et de paillettes pour pouvoir briller. La lumière vous l'avez de vous à l'intérieur. Moi je vous remercie énormément pour votre soutien, je vous aime très fort et surtout ne manquez pas les prochains épisodes qui se passent à Vegas. Pour vous abonner c'est juste ici et juste là vous trouverez ma dernière vidéo et moi je vous dis au revoir, bye.